1959, quand Hélo et Daniel Philippe ont quitté l'émission de radio pour les jeunes, ils les tutoient. Ils connaissent leur groupe, s'intéressent à eux et à leur musique. Elle rigole. Oui, elle m'a pas rigolé. À l'époque, c'était très rare. Forcément, maintenant, il y en a beaucoup. Mais en 59, pour entendre des jeunes chanteurs français ou des disques américains, fallait se lever de bonheur. Enfin, non, d'ailleurs. Fallait se lever à 17h. C'est ça, les copains.